Tu as une chaîne YouTube et bien évidemment, tu as envie que tes vidéos soient vues. Plus tu as d'abonnés qualifiés, plus tu auras de vues sur ta vidéo au moment où tu partageras ta vidéo et plus ça enverra un bon signal à YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un lien d'abonnement direct à ta chaîne YouTube pour augmenter ton nombre d'abonnés. Qu'est-ce que ça signifie ? Que les gens qui cliqueront sur ce lien auront une pop-up, auront une fenêtre qui va s'ouvrir et ils n'auront plus qu'à cliquer dessus pour s'abonner. Je t'en parle juste après ça. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public, ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer dans un premier temps comment créer cette URL et dans un second temps où tu devrais poster cette URL pour obtenir plus d'abonnés. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et allons sur mon ordinateur. Nous voici sur mon ordinateur. Je suis sur la page YouTube. Je vais tout simplement me connecter. Je vais aller sur ma chaîne et ici, vous trouvez l'URL. Je vais prendre une partie de cette URL. Je ne vais pas prendre le point d'interrogation « View as subscriber » puisque là, j'ai la vue pour celui qui est déjà abonné à ma chaîne. Je prends donc toute la première partie jusqu'au « A ». Je le copie. Je vais dans ce petit document Word et je colle. À cette URL, je vais ajouter « slash point d'interrogation » sub underscore confirmation égale 1. Je l'ajoute à la fin de cette URL. Je copie l'ensemble de l'URL. Je retourne sur Google. Je vais aller ouvrir une page incognito car sinon, il va tout simplement se reconnecter à mon compte et savoir que je suis déjà abonné à ma propre chaîne. Entrée. Et voilà. Nous avons tout de suite cette pop-up qui vous propose de vous abonner. Ma pop-up est en anglais. Si vous avez YouTube en français, vous aurez la pop-up en français. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous abonner à la chaîne Aurélie de The Good Speech ? Il suffira ensuite de cliquer sur « Subscribe » en anglais, « S'abonner » en français. Une fois que cette personne cliquera sur « S'abonner », il aura accès à Gmail. Il pourra simplement rentrer son email et son mot de passe, sachant qu'en général, sur notre ordinateur, on est déjà connecté, donc on ne nous redemande pas de rentrer ces indications-là. Autre astuce, cette URL est très longue. Ce que je vous propose, c'est simplement d'aller réduire la taille de cette URL. Vous pourrez, pour cela, aller sur Bitly. Sur Bitly, vous pouvez réduire la taille de vos URL gratuitement. Il suffit de vous inscrire et vous pouvez créer une URL bien plus courte. Je la copie ici et voilà, il me propose une URL. Je la copie et avec cette petite URL, vous avez directement accès à cette pop-up. Pour avoir de plus en plus d'abonnés, il te faut maintenant partager cette URL à différents endroits stratégiques. Avant de te partager 6 endroits auxquels tu n'auras peut-être pas pensé, sache que je propose en ce moment un coaching YouTube que tu retrouveras sur mon site internet thegoodspeech.com. Voici 6 endroits où tu peux partager cette URL. Premièrement, dans la signature de ta boîte email. En dessous de ton nom, tu peux rajouter une icône YouTube avec « Abonne-toi à ma chaîne » et quand ils vont cliquer, ils vont directement arriver sur cette petite pop-up. Deuxième endroit, à la fin de ta newsletter, tu peux rajouter un bouton « Découvre ma chaîne YouTube ». Troisième endroit, sur ta page Facebook, directement sous la bannière de ta page, tu as un lien cliquable et tu peux très bien rajouter un lien vers ta chaîne YouTube. Quatrième endroit, toujours sur la page Facebook, tu peux créer un service. Tu as des onglets sur ta page Facebook et tu peux rajouter dans « Service »,« Découvre mon contenu gratuit » et ils auront accès à ta chaîne YouTube. Cinquième endroit, en appel à l'action à la fin de tes posts sur les réseaux sociaux. Sixième endroit, directement dans la bio
Instagram. Évidemment, cette liste est non exhaustive. Dis-moi en commentaire où tu partages le lien vers ta chaîne YouTube. Enfin, si cette vidéo t'a plu, merci de liker, de commenter, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Ça m'aide à la faire grandir. À très bientôt.